Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors pour la suite de notre aventure sur XCOM Chimera Squad. Alors vous voulez mordre un président et vous régaler? Pourquoi ne pas essayer Burger Palace? Voilà, Burger Palace. Nous avons de quoi vous remplir l'estomac. Du coup. Nos délicieux burgers sont à base de protéines de varech. Merci, joueurs d'assemblage. Alors, eux, ils sont là. Lui, il a fini. Lui, il a son cours de jour d'entraînement. Et je crois qu'il fait ce reconditionnement. D'accord. Mais toujours le même goût. Pour avoir deux P en plus. Ok, l'assemblage, on faisait quoi? Ah, un fusil d'assaut. Donc, on était parti sur l'amélioration de notre armement. Donc soit là on avait fait, donc on part avec un fusil d'assaut amélioré, après on partira sur la mitraillette et la fusil à pompe. Fusil d'assaut. Fusil à pompe peut-être. Ils ont des. Fusil à pompe, mitraillette. Fusil d'assaut. Ouais non. Ce qui me manque, c'est qu'il me faudrait un troisième mec là. Je recrute un mec en plus, comme ça je pourrais mettre là-dessus. Et ça fera réduire un peu la durée pour l'assemblage. Ce serait pas mal que je puisse recruter du monde en plus. Ok. De toute façon, là je peux rien faire. Je crois que j'avais tout fait moi. Donc on partait pour une mission. Alors. Donc il est là mais je peux rien faire. Donc j'ai là et là. Alors deux missions secondaires. Opération ennemie. Lors de certaines missions d'enquête, la faction ennemie déploiera des unités de combat particulièrement dangereuses. Il s'agit d'opérations ennemies. Vous pouvez consulter les opérations ennemies d'une mission lorsque vous préparez à la lancer ou sur l'écran d'enquête. Plus d'infos, plus vous progressez dans l'éradication d'une faction, plus les chances de voir apparaître les opérations ennemies augmentent. À un stade avancé, les enquêtes commencent avec plus d'opérations ennemies. Ouais, ok. Mercenaire. Contrôle de flux, donc ça me disait quoi? J'avais quoi? Un analyseur d'objets, de cibles. Et là, très difficile. Ah, ce serait pas mal que je puisse la faire. Et là, je peux rien faire, lui. Non, c'est un truc et Island Square, il faudrait vraiment que j'y aille parce que là, je vais perdre. Là, Angel Point, ils sont là, les autres, ils sont là. Il faudrait que je fasse. Hein. Et j'ai rien du tout pour encore améliorer. Soit je fais fin de la journée et non, donc laisse tomber. On va tester la mission-là. Si ça marche pas, bah on repartira sur ça. Hein. On est parti. Donc toujours eux. Hein. Le carme porte conduit. Donc affrontement prévu 2. Cette mission inclut du mercenaire de Shrike. Ouais, ça va être ça. C'est quand même une difficulté très difficile. Donc, je sais pas du tout si je vais réussir. Donc on va le faire. Hein. Allié droit devant. Tirez pas n'importe où. Alors.
Lucarne et porte principale. Surprise, les ennemis touchés par vos tirs. Ok, réflexe, défense plus 25. Ok, bonne visibilité. Ok. Porte principale, on avait qui? Axiom. Ah, on va mettre le gros là-dessus. Lucarne, elle est où? Ah, c'est là. C'est là, d'accord. Code bizarre ici. Terminal là. Et Virgile là. Non. Attends. Une défense, une visée. Non, on va rester comme ça. Le gros qui arrive par la porte d'entrée. Et les autres qui vont arriver par le toit. Ok. Infiltration, infiltration! Restez derrière moi! Tac, tac. Ok, l'anonyme, j'ai surpris. Une défense de 10%, coup critique 80%, donc 4-6. Lui il est là. L'anonyme, je pense qu'on peut l'avoir à. Mais lui, normalement, il devrait mourir, le soldat. On a lui qui est là et lui qui est là. D'accord. Je pense qu'on va tuer lui directement. Frappe alpha, c'est quoi? Tir à l'arme, fusil à pompe pendant l'infiltration, il voit son tour avancer dans la chronologie. Comme l'ancien, gagne également un point d'action bonus à son premier tir. Ouais, bah on va le faire sur lui. Ça, c'est fait. Lui. C'est surtout l'anonyme qui est hyper chiant. Le soldat, il est là. Trois, cinq. Ah bah attends, on peut léviter. Toi, on va te faire léviter. Lui, il arrive ici. Oh vache, il y en a un qui est juste là. On a le soldat qui est là. On a un autre qui est là. Cobra. Ah oui, lui, il a les anonymes. Vache, je crois qu'on est mal barré. Ok. Alors, toi, viens ici. C'est que je vois à peu près. Mets-toi là. Voilà. Soldat. Tu vas rester en vigilance. Voilà. De toute façon, l'autre il va mourir. Voilà, ça s'est fait. J'aurais peut-être pas dû passer par là. Toi, terminal. Préservation. Ah, la préservation, ouais, il faut que tu mettes Axiom. Laisse la technologie faire son travail.
Rien ne peut nous abattre. Ok, site attaque. Ouais, on a le cobra qui est là. Oh, il a fait un critique. Oh, c'est beau ça. Ouais, allez. Oh, il a raté. Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. Toi, tu vas avancer ici. Ça, tu vas être directement là. Hop, tu vas nous. Chérub et chérub. Non. De toute façon, tu ne peux, si tu vas tuer quelqu'un, c'est le cobra. J'ai le soldat qui est là. Cobra, comme ça, on est tranquille. Voilà. Notre anonyme. J'espère que Axiom, il va résister. Alors, ouais, faut vraiment que tu te mettes en position. Barre-toi de là. Toi, viens ici. Alors, tu peux l'avoir lui. Tu peux l'avoir lui. Tu peux l'avoir lui. Mais lui, il a un abri partiel. Lui, non. Je peux lancer une grenade flash. Ça va les désorienter. Ça peut toujours servir. Flash lancé. On va faire un joli petit tir. 4 points de dégâts. J'avance vers la cible. Partez, restez pas ici. Voilà, casse-toi de là quand même. Je verrouille la cible. Bon, moi j'ai mon bouclier. C'est bien. Alors, toi, toi tu vas rester là. Et, en fait, tu vas peut-être te mettre en. Tu vas te mettre en vigilance. Comme ça, s'il passe là, ça peut toujours. Ou alors, t'avances un petit peu ici. Il faut que je bouge. Vite et bien. Je vais te mettre en vigilance là. Comme ça, ouais, on est bon là. Je sens qu'il y en a un qui va bouger, donc il va se prendre un tir. Ouais, c'était sûr. L'anonyme, je peux le tuer facilement. L'anonyme, je peux le tuer facilement. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, il nous en reste plus qu'un. On a le soldat aussi. C'est normal, il y a un mur. Bah toi, en fait, t'en regardes pas, t'as le soldat qui est juste là. Lui, tu l'OS. Lui, c'est one shot direct. Oh, il avait son armure. Ah, je suis dégoûté. Je vais être à sec. Recharge. Je dois recharger. En mouvement. Tu peux récupérer preuve. Voilà. Je peux y aller. Ah. Il est dégâts, c'est pas grave. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Bah tu l'as, hein. Portée d'armes. Visée. Coup critique. 60%.
Oui, bah c'est bon. Allez, hop. Ça t'est dead. Lui agile. Tu vas rester en vigilance. Tu vas te mettre là. Ça, l'autre, il va passer, il va se prendre un tir. Ça me rassure. Ah, il s'est pris quand même des dégâts. Viens ici, toi. Est-ce que tu peux l'avoir? Oui. 4 et 6. Ça, c'est fait. Tout le monde réarme. Allez, on est parti. Mode d'infiltration, on est reparti. Alors, conduit. Les conduits. Ah, c'est pas mal ça. On va mettre Axiom. Ah ouais, mais le conduit, je peux. Ah, j'ai pas le tissage. Ah, dommage, dommage, dommage. Pas grave. On va mettre Vigil, on va mettre Godmother et on va mettre Terminal. Et vas-y, fais un petit rafraîchissement. Ah, du coup, j'ai pas ça. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. Du coup, on est parti pour ma filtration. Hein. Suivez-moi. Hop, on donne 2 points de vie à tout le monde. Et on est parti. Tac, tac. Qui est là? C'est qui? Lui, il est juste là, Paladin. Paladin, il est juste là, normalement. Et... Adieu. Ah, il reste un point de vie. Le piton. Il est surpris. Surpris. Ah. Ils sont tous surpris, en fait. Alors, attends, on a le qui, là. L'anonyme. On va essayer de faire l'anonyme. On va essayer de le faire léviter, comme ça, tout le monde tire dessus. Ah, le seul que je peux faire léviter, c'est lui. Non. Je peux pas léviter l'anonyme. Bah alors, il est où? Ouais, je sais pas. La couleuvre est là. Tueur à gage. Ah, c'est peut-être l'éviter le tueur à gage, oui. C'est là. Non. Tueur à gage qui est en lévitation. Logiquement, il va devoir se prendre. Ça doit faire mal. Allez, après, on est parti. Ramenez l'otage. Ok. Alors, toi. Toi, t'es là. Franchement, tu restes là. Et tu te mets en vigilance. Tu te mets en vigilance. Il y en a un qui va bouger. Il y a de fortes chances. Contient la cible. Ouh.
Il a raté. Il a raté. Oh, cool. Prétorien, putain, il est trop compliqué. Si on le maîtrise. Maîtrise, non. Stupeur. Vos pensées sont liées. Vas-y, du coup, tire l'arme. Vas-y. Je bouge. Ah non. Je suis deg. Ah non. Je désactive l'arme de la cible. Je suis deg. Non, c'est pas grave. Alors, bon, soit le prétorien il est, on le tue, soit je tue lui, soit je tue lui, couleuvre, couverture complète quand même. Paladin. Ça fait quoi là? Lui il touche. Est-ce que ça va toucher ça aussi? C'est ça que j'ai peur. Allez. Alors, préservation, Virgile. Ça va aller. J'apprécie. Python, tu... Non. Toi. Soit tu fais le prétorien, soit on a quand même une grenade flash. Hey. Là, ça commence un petit peu à devenir technique. Soit je me fais le prétorien. Soit je me fais le tueur à gage. Je sais pas. Allez, on va rester là. Il surveille. Je vois le colosse qui est là-haut. Un agent a perdu connaissance. C'était sûr. Voilà. Virgile. Ah, c'est chiant, c'est que si j'envoie là-haut, t'as le machin.
je vais aller là. Allez, tranquille. Raté. Toi, c'est quoi? Stabilisation. Tu pourrais stabiliser lui. Allez, tranquille. Tu vas te mettre en vigilance ici. T'es protégé, c'est bon. C'est vrai qu'il y en a un, il va bouger, il va mourir. Et du coup, si je peux... Lui. Rage de Goliath. Oh. Salut, on se connaît. Bon, ben voilà. Je suis presque à sec. Recharge. Arme rechargée. Prochain, c'est lui. Il va être tué là. Normalement. Ouais. C'est bon. Là, il me reste l'autre qui est là. Colosse là. Aïe. Je manque de munitions. Recharge. Arme rechargée. Ah, lui il va bouger, il va s'en prendre. Et voilà, il est mort. Maintenant, il ne me reste plus que le colosse. Le colosse, le colosse, le colosse. Alors, hop, mets-toi à l'abri. Hors de mon chemin! Vigilance. Ah, oh, ils peuvent venir. T'énerve pas. Aïe. Essayez encore. Ah merde. Je me déplace. Te fais pas tuer. J'aurais du mal à l'avoir celui-là. J'ai presque plus de munitions. Préservation. Code Mother. Un petit coup de main. Là c'est bon, on recharge. Arme rechargée. Voilà, enfin j'ai réussi. Aliate, mais encore en vie. Ouais, là c'est chiant parce que l'autre il est protégé, du coup j'ai du mal. Alors, recharge. Je dois recharger. Voilà, yes, j'ai réussi. Hop, c'est l'identifique, il faut qu'elle la récupère. Comment tu fais pour grimper?
Je bouge. Dépêche-toi. On évacue où, le scientifique? On évacue là. Je bouge, couvrez-moi. Hop, évacuation. Hop. Évacuation. Ah, les renforts qui arrivent, mais bon. Je me déplace. Yep. Allez, vas-y. Oh, wesh, la fin de ses sauts. Évacuation. Et voilà. Terminé la mission. Mission légère, ouais. Évaluation correcte. Ennemi tué 14, civil sauvé 2. Bon, c'est bien. Continuez. Réalisation du score, moins 2, ça c'est bon ça. Triage à garde monté 2, et les autres ils ont réduit de 0. Ok, Clément a terminé les soutiens d'enquête. Ouais bah c'est bien, ça nous permet d'avoir 65% en plus de trucs. Ok, continuez. Opération spéciale terminée. Soutien d'enquête, on va gagner 100... Pardon. 65 de renseignements. L'aide humanitaire. Oh, ça c'est pas mal ça. On verra ça après. Ouais. Genre inactif. Ok. Promotion. Ventilation. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Pousser d'adrénaline. Smash et motivation ne mettent pas fin au tour et n'ont pas besoin de se recharger. Rechargement dans 4 tours. D'accord. Smash et motivation. Ok, ça c'est pas mal. Ah oui, j'avais cicatrice de l'agent, qu'est-ce qu'il a? Boîtement. Ah, il me perd aussi son mobilité. Normalement, j'en ai un qui va finir là. Donc c'est bien. Pillard. Ah oui, le marché des pillards. Système de visée, j'en ai déjà un. Donc ça me sert à rien, je préfère garder ça pour autre chose. Ravitaillement, bah, je peux rien faire. Et l'autre opération spéciale, c'est pas mal. Hein. Je vais peut-être lancer une autre opération spéciale là. Claymore là. C'est quelle aide humanitaire. Réduit l'agitation de 1 dans tous les quartiers. Bon, ça. Ah, elle n'a pas le niveau requis. C'est qui peut avoir le niveau requis? Ah, c'est Godmother. Attends, Armurie. Spécialiste. C'est agent spécial.
En spécial. Ah, il y a que les agents spéciaux qui peuvent... D'accord. Et ben on va mettre Godmother. Comme ça, Axiom, il revient... pas Axiom, Claymore, il revient. Ça va permettre de faire level up. Alors, ok, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai 110 en renseignement. Soit je fais une petite analyse, une petite situation, je pense qu'on va faire ça, on va terminer par ça. Mais avant, j'ai 110. Là c'était comment, 620 pour diminuer. Là c'est comment, 80. Sécurité c'est 95. Eh ben de toute façon il me reste plus qu'un. Et ouais, donc je vais pas m'emmerder là, il me restait lequel? J'ai combien là en truc? Ah bah c'est en... On est à l'aérium. Technologie. Revenu de 20 par semaine, revenu de 50 par semaine et une revenu de 60 par semaine. Ah, c'est déjà pas mal ça. Plus ceux que tu gagnes. Ouais. Est-ce que je vais pas faire partir sur les crédits là? Parce que 60 crédits, c'est... il me faudrait pas mal de crédits. En aérium, je pense que c'est bon. Vu qu'il y a des là et là, je peux réussir à ça, mais bon, les ou alors non, il faut que je fasse 3 de chaque. C'est 3 de chaque, donc j'ai 3 économies, 3 sécurité, et du coup, il faut que je fasse là. Technologie, c'est moins cher. La gare de triage. Voilà. Ah bon, on va faire ça. Voilà. Ça réduit un peu, donc c'est pas mal. Et plus t'as ton niveau, plus en fait ils augmentent. Ok, du coup on va faire alors c'est quoi, on va peut-être faire une des deux. Donc là je gagne 35 en Ellerium, mais de toute façon moi je suis en assemblage, donc ça sert à rien, il me faut des crédits. Donc on va faire vite fait celle-là. Ah, les transports, oui. On est monté à 3. Chérub, il a terminé. Continuez. Voilà. Hop. Entraînement terminé. Merci. Voilà. Agent inactif. Ok. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.